Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission, toute nouvelle émission, la toute première de l'année 2022. Permettez-moi déjà de vous souhaiter une excellente année, santé, bonheur, la prospérité. Ce sont les vœux habituels, même si nous sommes dans une période difficile et qu'on ne sait pas comment demain sera fait. Mais il est de bon ton quand même de souhaiter ça au nom de toute l'équipe, hein, chacun d'eux. Ils vont effectivement peut-être vous faire les mêmes vœux encore bien mieux que moi. En tout cas, bonne année à tous, bonne année à toutes. Ce soir, donc, nous avons avec nous le maître Philippe Saint-Cyr. Bonsoir, maître. Bah, dis-moi, pas maintenant encore. Non, mais au maître à vie. Au maître à vie, comme papa doc. Merci, Michel. Merci beaucoup, en tout cas, d'être avec nous cet après-midi. Voilà, peut-être un mot, je ne sais pas, si tu veux dire un mot à la... Oui, rapidement, bien sûr. Bonne année à tous, heureuse année. Et comme on le disait tout à l'heure, avec quelques camarades, on a l'habitude de dire bonne santé, meilleure santé. Et effectivement, c'est un truisme, mais à l'heure actuelle, ce n'est plus un truisme. C'est une vérité de fond. Exactement. Un objectif à atteindre et à préserver. Bonne et heureuse année. Merci beaucoup, maître. Monsieur Michel Branchy, rédacteur en chef du journal Justice, merci d'être avec nous. Bonne année, bonne santé. Oui, bien sûr, je me rallie à tout ce qui a été dit concernant la priorité qui doit être la nôtre. Et la priorité doit être la santé. Et je vais ajouter parce que justice, ça veut toujours être un poil à gratter. C'est qu'il ne suffit pas de souhaiter la santé. Il faut se donner les moyens, la capacité, la volonté, la discipline pour la gagner. Voilà. Alors tu parles humainement chaque personne ou tu parles pour les hommes politiques en général? Non, je parle humainement pour le peuple martiniquais, d'accord, dans l'ensemble. Je veux dire par là, c'est un combat collectif. Et bien sûr, ça inclut ceux qu'on appelle, d'une expression que je n'aime pas, les hommes politiques, parce que moi, je ne me considère pas comme un homme politique, je me considère comme un militant politique. Il y a une nuance. Bien. Il y a une nuance. Nous ne sommes pas des... Et tous les Martiniquais, à ce compte, devraient être des hommes politiques. Parce que la politique, c'est s'intéresser à la cité. À la et ça commune, concerne tout le monde. À la vie commune, donc tout le monde. Et par conséquent, et que qu'on le veuille ou non, les décisions qui sont prises par les politiques touchent tout le monde. Bien. Notamment en matière de santé. Merci beaucoup, Michel. Bonjour, Charles Chamas, rédacteur en chef du Progressiste. Non, c'est pas ça, pas encore. De temps en temps, contributeur, modeste contributeur, parfois éditorialiste du Progressiste. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour, camarades. Et donc, meilleurs vœux, effectivement, de santé. J'ajoute de bonheur, puisque le concept aujourd'hui existe, l'indice du bonheur humain. Je crois que c'est au Bhoutan, un petit pays en Asie centrale, qui considère qu'il ne s'agit pas seulement des critères habituels tels que les revenus, le taux d'alphabétisation ou le nombre de lits d'hôpitaux pour 1000 habitants, mais le bonheur est, et c'est ce que je souhaite, la santé et le bonheur. Et je rejoins Michel pour dire que la fonction politique, c'est d'abord le citoyen qui occupe cette fonction politique-là et par son bulletin de vote, eh bien, il fait acte de citoyenneté et donc il devient aussi un acteur de la vie politique. Donc oui, pour l'instant, on occupe parfois une fonction politique, mais je ne suis pas un homme politique, hein, loin de là, et je m'intéresse aux affaires de la cité. Et tous les débats qu'on a ici sont tout aussi intéressants puisqu'ils touchent à notre Martinique et au monde dans lequel on vit. Voilà. Merci Charles. Docteur François Lubin, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Donc, je ne suis pas non plus donc, un homme politique, mais j'enseigne une matière donc, qui est très proche donc, du politique. Je rappelle ça le droit politique. Et par ailleurs, donc, je m'intéresse à la politique parce que avant, l'esprit politique, c'est s'occuper, avoir le souci du monde. Je cite Anna Arendt. Bon, voilà. Donc, j'aime cette chose, la chose publique, effectivement. Et c'est une des raisons pour lesquelles je participe, donc, depuis que vous m'invitez à cette émission, parce qu'on parle de politique au sens plein du terme. D'accord. Alors, ceci étant dit,
Ben, comme tout le monde, hein, je souhaite le meilleur aux Martiniquais. Et comme j'ai eu l'occasion donc, de le faire dans mon cercle rapproché, l'optimisme de volonté. Donc je souhaite à tout le monde une année enthousiaste dans toutes ses facettes. Bien. Merci beaucoup, docteur. Alors, je suis un petit peu embêté parce que le sommaire est très intéressant. Est-ce qu'on commence par la rétrospective ou déjà là? Mais comme on est long des fois sur des sujets, donc on risque de ne pas pouvoir faire. Donc on commencera par ça, par le début. Dans un entretien accordé au lecteur du Parisien, le président Emmanuel Macron, président de la République française, a assuré qu'il voulait emmerder les non-vaccinés. Une déclaration qui a forcément des répercussions à l'Assemblée, mais pas seulement à l'Assemblée, mais apparemment partout. Lorsqu'on entend les gens, les politiques, tout le monde parler, c'est sûr que c'est une phrase qui n'est pas passée inaperçue. On peut se demander d'ailleurs si elle a été faite, si elle a été lancée comme ça pour donner un coup de boost à sa présentation, parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup de personnes qui semblent dire il n'aurait peut-être pas dû dire ça comme ça, mais en tout cas, on le comprend. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Emmerder les non-vaccinés. Les non-vaccinés restent quand même des Français. Donc, est-ce qu'on doit faire une division entre les vaccinés et les non-vaccinés, c'est-à-dire faire des Français de sous-catégorie? Qu'est-ce que vous en pensez, surtout quand vous n'êtes pas des hommes politiques, donc vous n'êtes pas des menteurs? Je compte sur vous. Bon, je te réponds que c'est une tempête. À mon avis, c'est une tempête de verre d'eau. En ce qui me concerne, ceci dit, ça a permis à un certain nombre de personnes, comme nous sommes dans une année préélectorale, de se saisir de ce propos pour faire le buzz. Bon, d'ailleurs, c'est retombé comme un soufflet. Bon. Et ça a inspiré aussi, les propos de Valérie Pécresse aussi, donc c'est du même caca bien. Voilà. Et puis, alors. Pour répondre quand même à ton interrogation, j'ai entendu, il y a une émission où les journalistes du Parisien, puisque c'est une interview qui est parue dans le journal Le Parisien, ont dit que non, que, bien sûr, quand on fait une interview, et c'était plusieurs, quand on fait une interview, on ramasse le propos de l'intéressé, et on fait ce qu'on appelle, on envoie le texte de l'interview. À l'interviewé ou à ses services de l'Élysée, donc à partir du service de l'Élysée, ils appellent ça une lecture de courtoisie. Mm-hmm. Et il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu de correction, ce qui laisse que certains analystes, certains observateurs disent qu'en réalité, que c'était voulu. C'était voulu, et c'était un calcul, alors on peut le partager ou ne pas le partager, mais c'était un calcul politique pour provoquer un choc. Un buzz. Bon, et comme par ailleurs, il y avait d'autres personnes qui ont fait des propos du même genre pour créer des chocs, bon, alors... Non mais Michel, pour l'instant, il n'y a qu'un seul président de la République. Alors, hein. Je vais te répondre sans langue de bois. Je suis allé voir mon médecin ce matin parce que le karaté m'a donné quelques douleurs articulaires. Bon, le karaté que j'ai pratiqué, c'est un pratique karaté à la japonaise, ancien, samouraï. Bon. Et j'étais voir le médecin, et puis il a dit, mais alors, est-ce que ça aura pensé du président qui dit qu'il est emmerdé les non-vaccinés? Et avant même que je réponde, il m'a dit... Il a dit tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Voilà. Voici mon commentaire. Là, moi, je suis persuadé que c'est une stratégie de haute communication. Tout à fait. Moi, j'en suis convaincu. D'une part, à partir de ce que tu dis, effectivement, on a envoyé à l'Élysée le texte. Ça, c'est une pratique courante. Oui. Alors, moi, j'en suis convaincu. Et tu as dit effectivement à un moment donné que Pécresse. Moi, je pense que le Français, il ne s'est jamais pardonné d'avoir tué son roi. OK? Donc, il a toujours une tendance à vouloir un chef. Peut-être pas un roi, un berger, je ne sais pas s'il en existe encore en matière politique. Enfin, ça veut dire que c'est ce qu'il y a les moutons. Un guide. Bien. Et
Je suis persuadé que dans une situation de crise telle que nous la connaissons, avoir une prise de parole aussi dure, aussi directe, parce qu'il y a un deuxième paragraphe qui dit que ce n'est pas citoyen parce qu'il y a le civisme. Tout à fait. Ok. Et là, je crois qu'il met dans le... Je ne défends pas le... Vous comprenez, moi j'essaie de comprendre. C'est une analyse. C'est une stratégie de communication. Et à mon avis, il frappe fort. Et il frappe si fort que d'autres, tu parlais, la Pécresse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ressort le cachet de la cave. Hein, mm-hmm. Et là, ces paroles fortes vont avoir dans l'inconscient des gens, effectivement, quelque chose de rassurant, de rassérénant. Peut-être que celui qui a commencé à provoquer de cette façon-là, c'est peut-être Zemmour. Ce qui a pu expliquer, à un moment donné, la montée, c'est tout. Voilà les quelques commentaires que je voudrais faire pour le moment. On continue, Charles. Parce que moi, comme je constatais que François était plutôt sur la même pente, moi, je suis un petit peu en contradiction avec ce qui a été dit. Alors, bon, je rejoins les deux camarades, là, concernant son propos. C'est pas le président qui a parlé, c'est le candidat. Ah, c'est ce que j'avais. Oui, 90%, oui, 90% des Français sont vaccinés, donc le candidat Macron attaque les non-vaccinés pour permettre à la majorité vaccinée de reprendre une vie normale. Bon, ça, c'est une stratégie électorale qu'on peut comprendre et qui est tout à fait compréhensible par les communicants. Hein. Bon, François est certainement meilleur que moi là-dessus. Non, pas du tout. Par contre, là où je ne suis pas trop d'accord, c'est qu'on n'attend pas ça. Alors, il est président. Il est président, a voulu être président. Il est président de tout le monde. Et il est encore en fonction. Et moi, j'ai trouvé qu'il est un petit peu sorti de son piédestal dans la mesure où il a parlé de manière brute, de manière sans filtre. Bon, on peut le comprendre. Parce que c'est le candidat qui s'exprime. Là. Parce que c'est le candidat qui s'exprime. Mais quand il a commencé à décréter qui était citoyen ou pas, ça m'a dérangé. Oui. Là, il a commencé. Il ne s'agit plus seulement d'une critique. Il s'agit de dire qui est citoyen et qui ne l'est pas. Et là, je pense que, alors, qui n'est pas citoyen ne devrait pas payer l'impôt, et pourtant il va accepter l'impôt des personnes qui ne sont pas vaccinées. Ce que je veux dire par là, c'est que le président a le droit de déraper. C'est un homme, c'est un président, oui, mais quand on fait attention à ses propos, il faut savoir que les non-vaccinés, il n'a pas parlé d'antivax, hein. Les antivax, c'est autre chose. C'est les gens qui militent farouchement contre le vaccin. Mais il y a les non-vaccinés. Il y a des non-vaccinés qui craignent, qui ont peur, qui sont dans un état lamentable psychologiquement. Parce qu'ils veulent aller se faire vacciner, mais ils ont vraiment peur. Alors, dire qu'on emmerde les non-vaccinés, c'est inclure les personnes qui sont viscéralement dans une peur viscérale. Et puis, c'est aussi encourager les antivax à vouloir l'emmerder lui. Parce qu'il veut emmerder les non-vaccinés, mais les non-vaccinés et les antivax vont vouloir aussi l'emmerder. Donc, ça n'est pas apaisé le débat. Et je trouve que... peut-être que c'est retombé, comme disait Michel, comme un soufflet, mais je trouve que c'est un épisode... qu'il aurait pu faire différemment. Enfin, c'est mon point de vue, voilà. Bien. Ouais. Docteur. Alors oui, je partage donc l'analyse selon laquelle tout ça relève de la stratégie. Du reste, il utilise le mot stratégie. D'accord. C'est la stratégie d'emmerder les non-vaccinés. Donc tout cela est fomenté. Donc ce n'est pas le fruit du hasard. Alors moi, je partage donc parce que c'est la question. Moi, je pense qu'il faut se poser la question de savoir si c'est le président ou le candidat qui parle. Et moi, donc, je pense que c'est le candidat qui parle. Alors, ceci étant, Macron n'a rien inventé, hein, parce que le fait d'employer le mot « emmerder », il y a déjà des précédents. Hein. Il y a Pompidou qui l'a employé en 66, il y a Chirac aussi. Donc, il est dans cette veine. Mais là où ça m'interpelle, c'est que, bon, Macron, on l'a dit que c'était le roi philosophe. Parce qu'effectivement, il a fait des études de philosophie et il a beaucoup travaillé avec Paul Ricoeur, qui était son mentor. D'accord ? Et donc, son mémoire a porté sur Machiavel. Mm-hmm. Il a oublié donc une petite leçon de Machiavel, puisque Machiavel, donc effectivement, quand on dit... Donc, il est quelque part machiavélien, et son propos est machiavélique quelque part, mais il a oublié une petite leçon de Machiavel, qui a dit qu'il faut que le prince fuit la haine et le mépris.
Et son propos, c'est un propos donc de haine et de mépris. Et à l'occasion, effectivement, je partage l'analyse, sur ce point, l'analyse donc de Charles, il n'a pas assuré la majesté de l'État. Mm-hmm. Et ça, donc sur ce point, il a failli. Non, donc mais... c'est, tout cela m'amène à dire que c'est le candidat qui a parlé et il a jeté une pierre dans le jardin oui. de Valérie Pécresse. Oui. Puisque ces derniers devront se positionner. Ils sont pour le pass vaccinal. D'accord. Oui, ils ont voté. Ils ont voté. Ils ont voté le pass vaccinal. Ils devront donc se positionner. Mmh. D'accord. C'est soit oui. ils se positionnent pour et ce que Zemmour et Marine Le Pen ne vont pas rater sur ce point, soit ils se positionnent contre. Et de l'autre côté, c'est Macron qui aura beau jeu de dire qu'elle est anti-système, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est de la stratégie et c'est de la stratégie politique. Alors, de haut vol, je dirais. Ah oui, de haut vol. Alors, je parle de communication. Au niveau de la communication, oui, il frappe fort. Oui. Ça a été dit par... Ça a pu retomber, mais ça laisse des traces dans le subliminal. Oui. N'oubliez pas ça. Attends, Michel. Oui, ça a été dit par Pompidou, mais pas dans le même sens. Oui, Pompidou oui. avait dit... Il faut cesser d'emmerder les Français. Oui, mais le mot emmerder. Sauf que... Dans ce sens-là, ça passe un petit peu. Oui, Pompidou, mais le mot emmerder est utilisé, donc de la part d'un chef d'État. Bon, Pompidou voulait donc qu'on arrête d'emmerder les Français. Lui, il veut emmerder les non-vaccinés. Quand tu dis embêter, tu prends un mot qui est moins fort quand même. Bien sûr, c'est parce que je sais. Moins grossier. D'accord, parce que étymologiquement, ça veut dire jeter de l'excrément sur les gens, emmerder. Oui. Étymologiquement, jeter de l'excrément. Tout à fait. Et d'ailleurs, Mélenchon à l'Assemblée nationale, a dit que l'argumentation en politique ne doit pas tomber dans la grossièreté. Oui. Bon, ce que je partage d'ailleurs. Bon. Et la véritable question, c'est le problème, en fait, le problème de la vaccination. Et parce que c'est ça la question. La question qui est au centre du débat. La question qui est au centre du débat, aussi bien en France qu'aux États-Unis, qu'en Allemagne, qu'en Grande-Bretagne, etc. Et qui est solutionné de manière différente par différents pays, c'est de trouver des mécanismes qui poussent une fraction de l'opinion à se vacciner. Alors pourquoi n'avoir pas rendu le vaccin obligatoire depuis La question aujourd'hui qui se pose. De mon point de vue, effectivement, la question se pose, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout. Voilà. Tout à fait. De ce moyen de détourner quand même. Ça n'a aucun intérêt de mettre un vaccin obligatoire. Parce que réfléchissez. Oui. Quelle sera la sanction ? Une amende ? Bon, on va pas. Je continue mon raisonnement. Oui. Bon, on va pas venir chez toi, n'est-ce pas ? Deux gendarmes te mettre, n'est-ce pas, la seringue dans. Bah. Tandis que le pass vaccinal, c'est quelque chose de beaucoup plus efficace. Oui. On nous enferme, n'est-ce pas, dans des impossibilités. Tu ne peux pas aller au restaurant, tu ne peux pas aller au cinéma, même à la limite. Tu as des problèmes à l'hôpital, donc tu es complètement encerclé. Mais l'obligation juridique, ça n'a aucun intérêt quand ça n'aboutirait qu'à créer des malaises. Tandis que le pass vaccinal, c'est autre chose. Alors, deuxième question qui est posée par là. Mm-hmm. J'ai écrit ça là-dessus. Et je vais faire un article d'ailleurs là-dessus. C'est la vraie question, pourquoi la défiance à l'égard du vaccin dans une fraction en France minoritaire, ici importante, dans l'opinion publique. Bon. Alors, quand on lit toutes les analyses, il y a différents ordres de grandeur. Il y a une étude d'ailleurs de l'INSERM qui vient de sortir là-dessus, qui est très intéressante. Bon. Mais principalement, il y a les fake news. Il y a les faux docteurs qui se répandent dans les réseaux sociaux. 5% des gens hospitalisés ont des passes sanitaires faux. 5%. Mm-hmm. Bon, ça veut dire... Véran qui l'a annoncé hier devant les députés. Ça veut dire qu'une fraction, je ne dis pas la totalité, je prends cet exemple-là simplement, il y en a d'autres, je ne vais pas les énumérer. Une fraction des non-vaccinés, et qui, effectivement, qu'il ne faut pas confondre avec les anti-vax. Bon, et les anti-vax, on les estime à peu près, l'étude de l'INSERM que j'ai citée, entre 1 et 5%. OK. Bon, des gens qui sont contre toute forme de vaccination. Donc à peu près la moitié de tous ceux qui ne sont pas vaccinés. Exactement. Ce qui veut dire qu'il y a des gens
Ça fait quand même 6 3 millions. Non, il y a 10% de non-vaccinés. De non-vaccinés en France. C'est 7 millions ? 5 millions 1. 5 millions ? Ouais. Ah bon, je crois que c'était 10%. Non. C'est 67 millions. Donc 10%, c'est 6,7 millions. OK. On est à 5%, donc 3 millions. Mais dites-moi, il semblerait qu'une ancienne élection présidentielle a été gagnée grâce au dom-tom. Ça veut dire qu'avec ce peu de voix, cette personne-là était passée, me semble-t-il. Bien sûr, mais oui. Les dom-toms, c'est 1,2 million. Voilà. Donc 3 millions, ça peut faire pencher la balance. Tu as raison. Alors, je poursuis mon raisonnement. Mm-hmm. Il y a, pourquoi c'est important ? Parce que des gens qui doutent, qui se posent des questions légitimes... Oui. Qui ont peur. Attends, aussi. Mais la peur découle du doute. Oui. Bon. Sont influencés par de faux prophètes. Mm-hmm. Bon, moi je les appelle des faux prophètes. Bon. Par conséquent, il y a ce premier facteur. Il y a le deuxième facteur. Il y a les croyances. Alors on a dit ici, parce qu'on parlait de vaudou, que c'était une insulte. Bon, peut-être. Mais il y a les croyances. Et il y a beaucoup de courants obscurantistes en France. Comme dans toutes les périodes de catastrophes, comme après les tremblements de terre, comme après les inondations, qui reprennent du poil de la bête et qui influencent les gens. Et l'étude de l'INSERM les identifie. C'est pas simplement un médecin en mal de vocabulaire qui, au lieu de dire qu'un bois a dit vaudou. Mm-hmm. Bon, parce que c'est ça qu'il voulait dire. Ce sont les croyances, la superstition. La non-culture scientifique. Alors, je termine simplement là-dessus. Ce journal Justice que vous avez en main là, oui. Il a été créé par un monsieur qui s'appelait Jules Monroe. Jules Monroe, son combat, son premier combat, sa croyance, lui, à lui, c'était que la science allait émanciper la classe ouvrière. Oui. Les connaissances et prolonger le combat de toute la fin du 19e siècle de nos ancêtres pour le savoir, pour l'instruction publique obligatoire. Et il disait, on va combattre l'obscurantisme. Alors bien sûr, sa première cible, c'était l'Église catholique à l'époque. Alors c'est ce que dit, le milieu était plutôt... C'était plutôt des catholiques, c'était des gens qui croyaient en Dieu. Ben, c'est-à-dire, comme dans chez nous, le syncrétisme. Bon, parce que c'est comme... Nous sommes comme en Haïti, hein, pas loin. On croit en la Vierge Marie, et puis on va voir, et puis on croit au Quimbois aussi. Hein. C'est comme ça. Hein. Bien, mais alors, ce que je voulais dire quand même, j'ai entendu ce matin sur les ondes des chaînes françaises un papy, un monsieur d'un certain âge, qui disait, qui parlait avec un député de Saint-Denis, Parti communiste. Oui. Et il disait... Sébastien Chimel. Je ne me rappelle pas trop de son nom, mais ce qui m'a interpellé, c'est la phrase du... Alors, il a convaincu cette personne d'aller se faire vacciner. Et en bout de course, ce monsieur lui dit, ça va coûter combien ? Ça va coûter combien ? Le vaccin est gratuit. Et cette personne lui demande, ça va coûter combien ? Donc, ce député expliquait qu'il y a des gens de la France profonde, mais même dans le 93... Il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas au courant. On n'a pas été les voir suffisamment, peut-être. Oui, tout à fait. Donc, il y a les anti-vax, mais il y a aussi une partie gens, oui. de la population qui n'a peut-être pas eu l'info. Tout à fait. On n'a pas fait suffisamment de... Mais c'est le paradoxe de notre époque. Hein. Dans un monde surinformé, que parfois l'information n'arrive pas véritablement auprès de certains destinataires. Oui, c'est un des paradoxes de notre époque. Bien. Donc, voilà. Oui, juste un mot pour dire que... les remarques de Michel sont pertinentes. Il y a deux manières d'aborder l'appréhension du monde. Il y a la raison et puis la foi. Enfin, croire, c'est de ne pas savoir. Croire, c'est de ne pas savoir. La foi, enfin, je respecte beaucoup la foi. Hein. De toute façon, la structuration mentale des personnes, de l'humanité, fait qu'on a d'abord cru, et puis ensuite, on a commencé à s'intéresser à la connaissance pour le savoir. Mais beaucoup de personnes sont structurées mentalement dans la manière d'appréhender le monde par la foi, par le fait de croire. Et quand ils ne croient pas dans le vaccin, pour les faits dont Michel parlait, Enthoven, le philosophe, j'ai noté, parle des moyens numériques de délirer en trouvant les fausses preuves pour accuser les autres de ses propres turpitudes.
C'est-à-dire que les gens vont chercher des preuves, les preuves sont fabriquées, ce sont des fausses preuves. Il y a des bulles de filtre calculées par des algorithmes très puissants qui, sur Internet, te redirigent systématiquement vers ce que tu as déjà cherché pour trouver ce que tu recherches. Tout à fait, oui. Et donc, tu te convaincs de ta propre manière de voir les choses et tu restes dans ton petit cercle avec tes propres petits, pas dans le sens péjoratif, hein, je ne vais pas avoir de problème, mais tu restes dans ta manière de voir les choses, ouais, avec une lecture particulière. Oui. Et donc, et puis, ce qui est difficile là, et moi je suis très inquiet, hein, on parle de ça comme ça, ouais, de manière légère, mais imagine un instant qu'aujourd'hui, il faille passer un temps fou à argumenter sur le bien fondé d'une réalité. Mais c'est une... Tout simplement parce que... C'est plus facile, hein. Oui, tout simplement parce qu'elle veut être démontée par quelqu'un. Mais j'ai presque envie de dire que c'est presque la fin de la démocratie. La démocratie, ce sont les débats, entre guillemets, de haut niveau pour convaincre l'autre. Qui suppose, il y a un élément fondamental de la démocratie, c'est la démonstration de ce que l'on avance. Et voilà. Mmh. Et la démonstration, c'est une argumentation raisonnable. Un discours dialectique, n'est-ce pas, Michel? Tout à fait. Et donc, à partir du moment où, même de la démonstration, parce que les chiffres sont là, enfin, le consensus scientifique ne se décrète pas, hein. Il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'études qui sont faites et qui démontrent les choses. Malgré cela, il y a une fin de non-recevoir. Ça veut dire que quand bien même il y a une démonstration, il y a une réfutation de cette démonstration-là. Donc, on se trouve presque à la veille de l'ère de l'antidémocratie, puisque tout est permis et on peut refuser. J'ai entendu une dame dire aux journalistes, vous êtes des perroquets, vous répétez n'importe quoi. Mm-hmm. Mais comment on peut... Enfin, bon, soyons sérieux. On connaît Russia Today, hein. C'est un organe de presse au service de Poutine et qui, effectivement, essaie de faire passer des fake news en France. Mais voilà, ça dépasse vraiment la querelle des vax et anti-vax. C'est vraiment une question de solidité de nos institutions avec la crédibilité de la parole démontrée et raisonnable. Je voulais faire deux remarques. La première remarque, effectivement, c'est en fait, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés. Quand j'étais arrivé en avant, j'étais dans la voiture et j'écoutais la radio, mm-hmm, et tu avais le témoignage d'une femme en hyper-ruralité. La journaliste lui demandait, mais pourquoi ? Vous avez dit, non, je ne suis pas contre, mais je ne sais pas, nous sommes seuls, il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas de gynécologue, il n'y a pas de médecin. Donc il faut prendre en compte, si tu veux, la situation de ces personnes, ouais, qui sont, n'est-ce pas, à la limite. Okay. Mais tu parles de foi. Moi, lorsque je parle de façon large, je ne suis pas un homme politique. Elle était peut-être. Mais moi, je reviens à la démocratie. Okay, je disais tout à l'heure qu'un homme politique, on le choisit, on l'élit. D'accord ? Et on dit pourquoi ? Pour qu'on estime qu'il a des capacités et qu'il a des compétences pour. D'accord ? J'ai connu ça à une époque. Et, qu'il incarne quelque chose. On le choisit et il montre la voie. OK ? Là, ça a fonctionné. Mais maintenant, j'ai l'impression, je parle de façon globale et générale, on va pas chaque personne, hein, bon. Mais à l'heure actuelle, j'ai l'impression que le berger, il est derrière. Il essaie de voir où vont les moutons. Et c'est dans cette perspective-là, mais je le dis déjà, excellente personne. Tu m'as fait plaisir. Et j'entends des interventions politiques qui ne me rassurent pas du tout. Ouais, nous sommes bien d'accord, j'ai entendu, moi, au niveau de l'Assemblée nationale. Mmh. Et bon, il faut avoir la foi, mais il faut il faut croire ceux que l'on a élus. Et il faut les entendre, et il faut y croire. C'est tout. Bien. Alors oui. je voulais donner un petit exemple rapidement. Bien entendu, je partage tout à fait ce que dit Maître Philippe Saint-Cyr. Il peut aimer ça. Bon. Tu as vu, tu lui fais dire quoi emmerder, moi. Oui. J'ai dit ce mot-là, mais je ne veux être pas chroniste. Non. Donc, on va embêter, mais. Oui. Ça, c'est plus convivial. Je suis ton exemple. Oui. Alors, non, je voulais citer un exemple. Par exemple, le Premier ministre et d'autres personnes, y compris tiens, des gens du Parti communiste, que tu as cité, disent que
Malheureusement, parmi les gens qui sont en réanimation, il y a une majorité de non-vaccinés. Et voilà que circule depuis une semaine une analyse qui dit le contraire et qui s'appuie sur des statistiques publiées par un organisme officiel qui est la Direction de la Solidarité, c'est-à-dire, de recherche, C'est-à-dire c'est l'organisme statistique du ministère de la Solidarité. Ça s'appelle l'ADRES. OK ? Bon. Je ne vais pas entrer dans trop de détails techniques, puisqu'il s'agit de statistiques. En gros, on prend le nombre de non-vaccinés en valeur absolue et le nombre de vaccinés en valeur absolue. C'est-à-dire, il y en a 60 qui d'un côté, il y en a 30 de l'autre. Bon. Mm-hmm. Et on dit, proportionnellement, il y a beaucoup de non-vaccinés. Bon. Sauf que, là, j'ai là une étude qui vient d'être publiée dans le journal Le Monde, qui démontre que, en réalité, les deux populations étant extrêmement différentes, le nombre de vaccinés étant en France bien supérieur. 60 millions contre 7 millions. Bon. Oui. Le nombre de personnes qui sont non vaccinées, qui sont malades, qui vont rentrer à l'hôpital, sont proportionnellement plus importants que le nombre de personnes bien non vaccinées. Et bon, ça s'appelle. Alors. Quand j'ai fait ma première année d'économie à l'Institut Bibiose, bon, il y avait un professeur qui venait du Québec, qui n'a pas encore, par contre, je me suis. Bon, il avait un fort accent. Et il y avait un petit livre de jaune, de statistiques, et on nous appelait, ça s'appelait le paradoxe de Simpson. Vous comprenez ? Bon, autrement dit, les anti-vax n'hésitent pas à falsifier la science, notamment en utilisant une méthode statistique, disons mensongère, pour être simple. Voilà. Très bien. Alors, Philippe, tout à l'heure, là, tu disais que les Français aiment avoir un chef. On parlait de Pécresse. Enfin, tu parlais de Pécresse quand tu as dit ça. C'est pas un chef, hein, c'est une. Jourdi Bernadette. Oui. Ah, Jourdi Bernadette, oui. Ce sont donc, de vieux souvenirs. Donc, oui, oui, oui. Non, non, mais on a trouvé le nom. C'était un professeur d'économie québécois. Tout à fait. Jourdi Bernadette. Non, mais il était français. Il a été au Québec et puis il revenait faire. En Jourdi Bernadette. Oui. Alors, excellente. Lorsque Pécresse dit sont-ils le cancer pour pouvoir redresser la situation. Dans les quartiers, il faut préciser. Que ça n'étonne personne. Avec Ciotti, c'est cette ligne dure-là qu'il avait. Et c'est comme ça qu'il a émergé. Et maintenant, elle a dit que Ciotti, c'est son Charles Pasqua. Puis-je, tout à fait. Parce que, comme dit Philippe, les Français ont besoin d'être commandés de manière dure. Ou alors, on peut parler de ton pays d'adoption, la Russie, Poutine et au pouvoir depuis combien d'années, parce que... Mon pays d'adoption. Juste... Philippe a dit tout à l'heure quelque chose de vrai à propos du chef qui doit précéder la troupe. Mm-hmm. Et aujourd'hui, souvent, le chef essaie de voir ce que la troupe, ce que la troupe veut. Les sondages de l'Élysée, c'est quoi ? À partir du moment où il y a des sondages d'opinion, pour savoir ce que les Français pensent majoritairement, de manière à mener une politique publique pour ne pas les décevoir, on est là justement dans la contradiction de ce qu'a voulu le général de Gaulle dans la Ve République. C'est exactement la contradiction. À un moment donné, il faut qu'un politique prenne ses responsabilités et puis tranche. Mmh. Il peut se tromper, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir tranché. Et souvent, en général, sa patate, au bout de 3 ans et demi, plus rien ne se fait, simplement parce qu'on est déjà dans la projection de la prochaine élection. Et mon ami François, qui va certainement nous expliquer la différence qui est entre le quinquennat et le quinquennat a de ce fait amputer une bonne partie des capacités du président à donner des directions. Et le parce quinquennat le quinquennat est beaucoup trop court. Le septennat permettait une longueur d'action. Le quinquennat a eu comme conséquence
de donner les clés de la maison au chef de l'État. Voilà. Jusqu'à maintenant, oui. Oui. D'accord. Mmh. C'est ça la conséquence du quinquennat. Puisque le président a toujours la majorité, enfin jusqu'à maintenant la majorité. Voilà. Encore beaucoup plus qu'il l'était déjà. Beaucoup plus, qu'il l'était déjà. Et d'ailleurs, c'est ce que Sarkozy a été encore plus loin, parce que pour lui, il estimait que Fillon, c'était un collaborateur, c'était pas le Premier ministre. Oui, tout à fait. Sarkozy voulait vraiment être le président. Mais ça se voit, hein, l'ordonnancement des élections, puisqu'on a changé le calendrier électoral en 2000, où il y avait d'abord les élections législatives, et puis après les élections présidentielles. Donc on a, dans le contexte de l'époque, on a réordonnancé le calendrier électoral. Les socialistes. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui va se passer donc cette année. On va procéder à l'élection du président donc de la République, mais il s'agit de lui donner une majorité. Et ceux qui vont être élus au mois de juin ne sont que les obligés du président de la République. On se rapproche d'un régime présidentiel. Et un régime présidentiel, strictement parlant, ça veut dire que c'est un régime qui est marqué du sceau de la, donc du sceau de la prééminence du président. Et que ceux, les secrétaires d'État, ne doivent leur existence qu'au président des États-Unis. Oui, c'est ça un régime présidentiel. C'est pas un régime marqué par la... Enfin, ça signifie, c'est pas un régime présidentialiste. C'est un régime où l'exécutif est incarné par une seule personne. Alors que normalement, nous sommes un régime parlementaire où l'exécutif est incarné par le chef de l'État et le gouvernement. Mais dis-moi, tu as parfaitement raison. Mais Charles, il a raison. Lorsque tu réduis, n'est-ce pas, le délai, ok, il est évident que le temps étant plus court. Oh oui, vos deux opinions se rejoignent. Oui, oui, parce nous sommes d'accord. Parce que c'est vrai ce que tu dis, Charles. Hein. Les préoccupations, mais question, vous les voyez. Mais de Gaulle, attends, pardon, Michel, la question que je voudrais poser, docteur, si, d'accord, le président est élu, et puis imaginons que son histoire d'emmerder les Français lui colle à la peau et que le peuple ne lui donne pas la majorité à l'Assemblée nationale. Il se retrouve les bras liés. Alors ce qu'on a voulu éviter, c'est aussi un des objets donc de passage du septennat au quinquennat, aligner le mandat présidentiel sur celui donc du mandat de l'Assemblée nationale, c'était pour éviter une nouvelle cohabitation. C'est ça. Mais rien n'est moins sûr. Mais ça peut arriver. Ah. Mais rien n'est moins sûr. Hein. Pardonnez-moi, mais dans le cas où Macron est élu, c'est une hypothèse d'école. Je ne sais pas si La République En Marche a réussi son implantation locale. Je ne sais pas du tout si les députés qui sont élus là aujourd'hui vont pouvoir remporter la cagnotte. Et je ne sais pas si le président Macron ne sera pas mis en cohabitation. Voilà, c'est la question que je me pose. Rien n'est moins sûr. On a voulu changer la donne. Et je pense que le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe, du reste, effectivement. Mais rien n'est moins sûr. Il n'est pas dit qu'avec le quinquennat, qu'on puisse pas avoir ce scénario d'une nouvelle quatrième cohabitation dans le cadre de la cinquième République. Une petite observation à propos de la remarque de Charles Chamas sur les politiques qui suivent l'opinion publique au lieu de la précéder, de lui donner des orientations. C'est bon, dit c'est si long vent. C'est toi qui prends. Oui, chez lui, c'est très léniniste, ça. Oui, que bon, précéder. Oui, bon, mais l'avant-garde. Mais Lénine disait un pas devant le peuple, pas deux pas avant, quand même. Okay. Un pas devant, pas le deux pas, pas d'accord. Il ne faut pas aller trop vite. Un pas, pas deux. C'est-à-dire qu'il faut être devant le peuple, mais il faut que le peuple puisse te voir. Mais si tu es tellement devant, bien sûr, et que le peuple ne te voit pas, tu te casses avec eux. C'est ce qui arrive à certains maintenant, d'ailleurs. Bon, ok. Et ceux qui sont derrière le peuple, alors? Alors, mais pour voir l'orientation du peuple, pour savoir quoi faire. C'est si long, vont lâcher pour le pencher. Oui, mais alors, en Guadeloupe, on appelle ça des dirigonflistes. Ah, je connais pas. C'est quoi, ça? On va dire qu'on est... Explique. Alors, je lis ça dans l'hebdomadaire de nos camarades du PC guadeloupéen. Oui. Ça veut dire que... qui m'a dit qu'il a ronflé. Compris. Bon. Excellent. Bon, ça veut dire que il dit Macron serait le la critique, de PC guadeloupéen à l'égard de la classe politique à l'heure actuelle en Guadeloupe, c'est qu'elle manque précisément de personnalité et de qu'elle varie sur les sujets, notamment sur la question institutionnelle. Bon, ils ont fait un congrès qui a abouti à des conclusions
Il n'arrive pas, par exemple, à trancher sur la question de la collectivité unique. Mmh. Bon. Mmh. Et pourtant, la question semblait avoir fait un saut qualitatif ces derniers temps, mais là, on est en train, effectivement. J'ai fait cette parenthèse pour mais ce que je voulais dire, surtout, c'est que, effectivement, et en plus, c'est là que ce que je veux dire est gaullien. Il y a des circonstances historiques où l'homme politique, le dirigeant politique, celui qui prétend être un dirigeant, ou qui aspire, ou qui demande de le considérer, de l'élire comme dirigeant politique, doit prendre une stature, quitte à prendre le risque d'être désavoué. Oui, normalement. Provisoirement. Je suis entièrement d'accord. On peut être désavoué par une opinion versatile et manipulée. Sur cette question-là, qui est une question inédite, qui n'a pas de précédent, n'importe quel homme politique peut être désavoué. Quand il dit « je crois au vaccin », que c'est le vaccin qui va nous sortir d'affaire. Bon. Il peut être désavoué par certains. Bon, il s'entoure, bien sûr, au cas particulier, il s'entoure quand même de conseils scientifiques, quand même. Bon. Mais il faut avoir le courage de dire. Et là, une des raisons de cette fameuse défiance, je revenais au débat de tout à l'heure, une raison de cette défiance, en Martinique, nous l'avons dit ici, je le répète au début de cette année 2022, c'est l'absence de leadership sérieux et de courage dans le lieu. Parce que quand on dit « je suis vacciné, mais chacun fait ce qu'il veut », ça c'est pas sérieux ça. Hein? Non, je ne suis pas d'accord. Ça c'est pas sûr. Non, je ne suis pas d'accord. Ça c'est pas sûr. Je ne suis pas d'accord pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne peut pas attacher quelqu'un pour le vacciner. Je veux dire, tu peux... Quand je dis que je suis vacciné, je t'encourage à faire pareil. Je ne peux pas t'aimer puisque toi tu ne t'aimes. Et moi je te montre que je m'aime. Enfin, il faut un petit peu comprendre et recontextualiser les choses. Premier élément, je dis que je suis vacciné. Je t'invite à le faire. Deuxièmement, comment dire, comment t'obliger, comment t'inviter à aller te faire vacciner si tu ne le veux pas? Parce qu'on en a suffisamment parlé ici. Il y a des personnes qui sont anti. Il y a des personnes qui ont peur, il y a des personnes qui ne sont pas informées. Ce n'est pas pour autant que ce sont des personnes qui ne méritent pas la considération. Alors, c'est autre chose. Mais c'est ce que je veux te dire. Et moi, je n'aime pas les oukases. Je n'aime pas les... Enfin, pardon pour le mot malheureux, puisqu'on a un communiste sur la table. Je n'aime pas les diktats. Hein, voilà, il n'y a pas de germanie sur la table. Je n'aime pas les diktats. Moi, je crois davantage dans la conviction. Hein, la conviction... Et Dieu seul sait si je m'y emploie. Alors, avec parfois la raison, parfois avec les sentiments, hein, on essaie de persuader aussi, pourquoi pas. Mais on ne peut pas reprocher à un homme politique de ne pas s'imposer, parce qu'il montre la voie, oui, mais dans le respect. Et moi, je crois que. Non, mais ton propos a montré du doigt tellement clairement quelqu'un que j'ai. Ah oui, Je crois bon de voir réagir. Mais c'est parce qu'on y mouche à chaud soleil. Bonne soirée, monsieur. Mais bon, ça ne veut rien dire. Ça n'est pas faire un diktat que de dire je suis vacciné, je vous invite à vous vacciner pour telle et telle raison. Oui, mais il y a beaucoup de personnes là sur les chaînes françaises qui disent ça. Je suis vacciné, maintenant, on n'oblige pas non plus les autres à se vacciner. Non, il n'y a aucun moyen d'obliger. Non, mais ce qui est marrant, par contre, en France, c'est que j'ai vraiment remarqué que les journalistes, les grandes chaînes, là, les grandes signatures, ils sont à fond. Mais à la rigueur, ce matin, je me suis dit, mais il y avait un journaliste d'LCI, et j'ai eu cette réflexion-là en mon fond intérieur, mais pourquoi tu ne lances pas en politique, quoi? Parce qu'il a face à lui des politiques, il voulait faire la leçon à ce politique-là, mais avec un tel acharnement, tout à fait. Je me suis dit quand même... Sur LCI. Sur LCI, ce matin, j'ai trouvé ça assez véhément. Ah oui, mais bon. Mais après, bon, tu sais, ce sont les chaînes... C'est la Bolloré-Crassie. Mais justement, j'ai oublié de l'imprimer, mais j'ai reçu... le montant que les médias touchent en France, les journaux, les télévisions. Et on peut comprendre qu'ils ne veulent pas perdre cette manne-là, parce que c'est un lot l'argent. Ah, pourtant. Ah, ouais. Enfin, on en parle. Et bien sûr, on parle de qui?
Mais oui, qui il touche mais l'État, de qui verse l'État qui paye ça. Ah bon? On l'a souvent dit ici qu'on devrait, tous les médias ici à la Martinique devraient toucher une certaine somme. On l'a souvent dit, c'est Marajou qui disait ça. Ouais. Et il disait en France, métropolitaine, enfin en France, c'est déjà comme ça depuis longtemps. Et là, j'ai reçu le document. Une disposition juridique. Je suis surpris que tu dises. Alors, je ne sais pas si c'est une disposition juridique, mais en tout cas, c'est un état. Moi, je ne connais pas, j'avoue franchement. Mais est-ce que ce n'est pas au titre de. Je sais pas. De certaines campagnes comme pour la vaccination ou non, la publication non. Parce que l'ARS publie toute une série d'annonces. Non, c'est un montant annuel qui est véritablement très important. Mais je vais la prochaine fois, je vais l'imprimer. Je l'ai gardé. Je veux surtout connaître le fondement. Le fond, pourquoi Pourquoi sur les chaînes privées, c'est alors, dégradation de monuments aux morts. Ça, c'était à Ducos. Ah non, et l'autre, Ducos qui vient salé et François. La troisième, François. Alors au départ, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah tiens, on est remonté à un truc ancien. Mais non, c'était en train de se faire, ça venait de se faire. Qu'est-ce que vous pensez, de ça? Je voudrais intervenir sur ce point-là, parce que, moi je vais laisser la parole à l'historien, mais bien sûr, on condamne ce type d'activité, d'action. Mais il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Voilà. Il y a ces plaques, il y a les statues qui ont été déboulonnées. Mal, absolument, qui ont été déboulonnées. Et je pense qu'on n'a pas fait notre travail de transmission, ok, au niveau des jeunes. Okay. Et personnellement, je salue l'œuvre de l'une de tes collègues, c'est, comment elle s'appelle, Sabine Vivant Milton. Ah, qui fait un travail monumental. Oui, justement, c'est elle qui a fait tout ce travail. Oui, mais elle fait un travail remarquable. Monumental. Okay. Et là, elle reprend l'histoire, elle le met sous forme de jeu, de petits écrits que je lis et que j'active souvent avec mon petit-fils qui est dans l'Hexagone. Et ça, c'est un travail de fond. Mais vraiment, c'est d'intérêt public pour nous. Okay. Et cela permet de voir, effectivement, que nous avions des héros, quels que soient les moments, okay, et qu'il ne faut pas faire d'anachronisme. Ceux des premières, secondes guerres, qu'est-ce qu'ils avaient comme valeur, bon Dieu, de bon sang? C'est de défendre la liberté. La Seconde Guerre mondiale, ils sont partis pour défendre quoi? Lutter contre le national-socialisme, contre le racisme, contre la dictature. Donc les valeurs sont là. Et on ne comprend pas pourquoi on peut dégrader ça à partir d'une méconnaissance de l'histoire. Et je voudrais une fois de plus vraiment saluer le travail de cette historienne. Elle travaille pour nous. Vraiment, c'est fantastique. Ah oui, et de façon très normale, très pragmatique, très humble. Très désintéressé. Très désintéressé. Alors, monsieur l'historien. Alors, je précise qu'un historien écrit, moi je n'ai jamais écrit, donc je suis professeur d'histoire. Alors, c'est pas de la fausse modestie, c'est vraiment la réalité. Je suis prof d'histoire, bon, j'assume. Hein. Alors, je souhaiterais préciser que. Moi, je pense que c'est de la bêtise, hein. En fait. Je pense que c'est de la bêtise. Et je vais préciser trois choses. La première, c'est quoi l'histoire? La mémoire. La mémoire, c'est en fait un ensemble de souvenirs, conscients ou non, qui, d'une expérience vécue, qui peut être mythifiée, c'est-à-dire qui peut être un mythe, c'est une représentation symbolique, enfin, sa vie sociale. Hein. Donc, conscient ou non, donc, et susceptible de manipulation. C'est ça la mémoire. Il n'y a pas une mémoire, mais des mémoires. On ne peut pas venir pour imposer une mémoire. Je vais vous prendre des exemples. La guerre d'Algérie, il y a au moins 7 mémoires. Je les cite comme ça. Hein. Il y a les harkis, les supplétifs de la guerre d'Algérie. Il y a les anciens combattants de la guerre d'Algérie. Il y a les descendants de pieds noirs, qu'on a appelé les rapatriés, mais qui en fait, pour eux, étaient des expatriés parce qu'ils quittaient l'Algérie natale. Il y a les descendants des anciens combattants, je vous ai dit, mais les soldats algériens. Il y a il y en a plein, quoi. Il y a l'OAS, l'Organisation Armée Secrète. Bon, une guerre, il y en a 5 ou 6 de mémoires différentes. Comment vouloir imposer une mémoire? Ce n'est pas possible. Et
où je trouve dangereux la situation, l'historien Prost, Antoine Prost, dit « Si nous voulons être des acteurs responsables de notre propre avenir, nous avons d'abord un devoir d'histoire. » Le devoir de mémoire vient après, mais le devoir d'histoire, c'est la retranscription objective, mais incomplète, du passé. Oui, on a besoin de savoir. C'est un récit, qui se complète au fur et à mesure des découvertes, avec des tracés archéologiques, avec des documents, etc. Et donc, cette construction-là, elle se fait, et là, c'est une discipline. Tandis que la mémoire, ce n'est pas une discipline. La mémoire, c'est un sujet d'étude. De ce fait, on est dans une espèce d'hyperamnésie. Alors, il y avait l'amnésie. L'amnésie, c'est-à-dire l'oubli total. Mais oui, c'est ça, l'amnésie. Ouais. On oubliait totalement. Et ça, ça n'était pas bien non plus. Hein, parce qu'effectivement, grâce à François Mitterrand, on a obtenu le 22 mai comme date anniversaire de l'abolition de l'esclavage, qui est quelque part notre fête nationale. Mmh. Mais aujourd'hui, l'hyperamnésie de vouloir tout ramener à l'esclavage empêche de regarder sereinement l'avenir. Et c'est dangereux. La lecture de demain, on tombe dans une histoire, une approche d'un culte de la mémoire qui nous empêche de regarder vers demain parce qu'on a besoin de toutes les contributions martiniquaises pour essayer d'aller et d'avoir un lendemain plus heureux et j'ai envie de dire plus solidaire de manière à faire au peuple. Ça, voilà, c'est ce que je veux dire. Ouais. Okay. Non, juste une petite chose pour prolonger, parce que ces propos m'ont fait penser à quelque chose que j'avais lu il y a très longtemps. Où un sociologue yougoslave, donc du temps de la Yougoslavie, hein, disait que l'histoire donc, de ce pays était tellement lourde et qu'il ne fallait pas prôner un devoir de mémoire, mais un devoir d'oubli. Mm-hmm. Ouais. Voilà. Non, mais alors, bon, je partage tout à fait l'idée que ces actions sont... Tu as dit que c'est de la bêtise... C'est de la bêtise, mais c'est aussi le produit d'une déviance politique. Et des déviances politiques comme ça, dans... Attends, Michel, déviance politique pour ces actions-là ? Tout à fait. Il y a des politiques derrière ça ? Oui. Je pense que ce sont des déviances politiques parce que... moi, je lis ça aux théories de Kémy Séba. Ce sont des gens qui sont dans cette mouvance, probablement, et qui pensent que, en mythifiant, comme tu dis, la mémoire autour d'une seule composante ethnique à la Martinique, on va créer un sentiment... un sentiment national, entre guillemets, qui va permettre d'aboutir à la libération du peuple martiniquais. Bon. Alors, ça, c'est une déviation qui a été... Ce sont des déviances... Oui, cette déviance, elle a eu un nom hein, à côté de nous. Hein. Ça s'appelait Papa Doc. Ça s'appelait Papa Doc. Comment ? C'est-à-dire, effectivement, on a substitué, dans certains pays, la lutte des classes à la lutte des races. C'est-à-dire, on a combattu d'abord les Blancs, parce qu'ils étaient les possédants. Rapproche-toi. Ils étaient pas combattus parce que possédants, ils étaient combattus parce que Blancs. On a combattu les mulâtres parce qu'ils étaient mulâtres et pas purs. Alors, une question par rapport à tout ce que tu dis. On a mis le feu dans deux paillotes au Cambé. Je ne sais pas. Est-ce que là, il faut voir la même... Alors, je ne sais pas. Je ne suis pas policier. Ce que je sais, c'est que les deux paillotes en question, il y avait quand même des conflits d'ordre, je dirais, juridique, technique, etc., concernant les projets, l'occupation du sol. Des conflits, je dirais, classiques. Hein, classiques. Le projet d'hôtel. Projet d'hôtel, les choses comme ça. Bon, par conséquent, c'est pas... Donc, elle appartient à la justice de faire la lumière. Mais n'abandonnons pas l'histoire. N'abandonnons pas l'histoire. Mais ce que je veux dire, pour terminer, on a commémoré récemment la disparition, on aurait salué la
la disparition de Desmond Tutu. Mm-hmm. L'Afrique du Sud a frôlé ce type de situation, oui, après l'installation de Mandela. Ok ? Il y avait dans le mouvement, oui, national... Une branche très, mm-hmm, radicale, oui. C'est grâce à Mandela que ça ne s'est pas passé, grâce à Mandela, hein, bon, y compris sa propre ex-femme, hein, Winnie Mandela. Tout à fait. Bon. Il a nommé Desmond Tutu président d'une commission de la réconciliation. Tout à fait. Et de la mémoire de la réconciliation. Ouais. Alors, juste un propos. Vas-y. Oui, non, je voudrais, parce que... bon, j'ai entendu tout ce que tu avais dit. Tu as dit que c'est de la bêtise. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais il faut savoir comment... quel est le fondement de la bêtise. Et la première chose que je voudrais dire, bon, c'est une formule que j'adore de Tocqueville qui te dit ceci: lorsque le passé n'éclaire plus l'avenir, le présent marche dans les ténèbres. Okay. C'est fondamental, ça. Et ce que je veux dire, c'est que moi, je ramène cela, le bris de ces plaques, aux statues, les boulonnages des statues. Et je suis... vous avez pu constater qu'en Guadeloupe, le problème ne se pose pas de la même façon. Et il faudrait approfondir, oui, cet aspect des choses. Pas du tout. Mm-hmm. Parce qu'en Guadeloupe, ils ont reconnu leur héros. Ils ont effectivement des statues en mémoire d'eux. Ce qui n'existe pas chez nous. Alors je me pose la question, moi, de savoir ce qui se passe chez les jeunes. Car il y a un malaise chez les jeunes, Jean Cotacal. Il y a un malaise. Nous avons eu un héros qui nous a protégés pendant longtemps, c'est Aimé Césaire, n'est-ce pas, avec la négritude, l'autonomie, ok, et puis bien sûr Glissant avec la créolisation. Mais à l'heure actuelle, les jeunes se posent le problème, et la question qui revient, je les entends souvent: mais il faut être des gens dignes. Des gens dignes. Voilà. Alors, pour la vie de caricaturer, Sainte-Lucie, est-ce que Sainte-Lucie... les Haïtiens sont dignes, plus dignes que nous, les Saint-Luciens sont plus dignes que nous. Mais ce qui nous appartient, tu as dit, l'histoire, c'est une discipline qui évolue, effectivement. On découvre, on s'aperçoit qu'il y a des éléments qui avaient été mis en valeur parce qu'il y avait un mouvement politique qui existait. Et puis on découvre qu'il y avait d'autres choses et qu'il fallait les reconnaître. Et c'est ce qu'il y a derrière ce malaise. Et je reviens, il faut que les historiens travaillent cela de façon véritablement large. Et il faudrait que... le modèle de Sabine est excellent. Il faut continuer dans sa loi. Mais je dis, il ne faut pas passer sur ce problème-là. C'est un problème qui est important. Notre jeunesse se pose des questions et se trouve en situation de rébellion. Donc, c'est tout ce que je voulais apporter comme précision. La précision que je voulais apporter aussi, c'est qu'il n'y a pas de statue commémorative en Allemagne de la Seconde Guerre mondiale. On devine aisément pourquoi. Ben, oui, mais prolonge. Ben, c'est intéressant. C'est parce que le national-socialisme et Hitler ont amené l'Europe en guerre, et que cette Europe a fait 50 millions de morts, enfin, cette guerre a fait 50 millions de morts, donc les Allemands ne se sont pas cru devoir moralement reconnaître... Et demain. Voilà, ne pas devoir moralement reconnaître... Et demain, qu'est-ce qui se passera ? Demain. C'est pas à ce moment-là qu'on verra les choses d'une autre façon. Je veux dire par là, la discipline, tu dis l'histoire est une discipline. Oui, bien sûr, pour le moment, effectivement, on sanctionne. Oui. Mais avec des évolutions qui peuvent se faire au niveau philosophique, au niveau politique. Ah oui, tout à fait. Il n'est pas dit demain qu'on n'érige pas une statue en mémoire d'Hitler. Ah non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends, je comprends. Je suis d'accord, parce que, en fait, ce cas, c'est paradoxal que l'histoire occulte l'historicité des choses. Voilà, tout à fait. Tu n'as pas forcément posé la problématique. C'est paradoxal. Alors, une question justement concernant l'Allemagne. Les troupes françaises et d'autres pays ont occupé, enfin, pas occupé, le terme, c'est pas occupé, étaient présentes en Allemagne pendant fort longtemps. Oui. Et est-ce que c'était pas... ils étaient plus ou moins désarmés, les Allemands. Oui. Est-ce que c'était pas quelque part pour les empêcher de remonter, enfin, une troisième guerre mondiale, on ne sait rien. Mais ça a duré très longtemps. Hein. Les troupes françaises étaient là-bas avec d'autres pays. Hein. Jusque dans les années 90. Oui, voilà. Mais c'était l'objet de la création donc de l'Union européenne, de la CE en 1957. Hein. C'est d'abord donc un objet, un but politique, éviter qu'il y ait une troisième guerre. Et donc en
en enfermant celui qui disposait donc de l'industrie de l'armement, qui est donc l'Allemagne, et qui est à l'origine des deux guerres, la première et la seconde. Donc, une stratégie, donc, on se met ensemble pour mieux la contrôler, ce pays, et notamment son industrie, donc, lui permettant de construire des armes. Est-ce que c'est aussi pour ça, professeur, qu'on a mis l'OTAN? Est-ce que c'est de là que vient cette histoire d'OTAN? Ah non, l'OTAN, l'OTAN c'est autre chose. Non, oui, c'est l'Atlantisme, c'est la volonté de construire une solidarité transatlantique. Voilà, transatlantique face à l'URSS. Par rapport à l'URSS. Oui, cependant concernant ce que disait François, tu as parlé de. Aujourd'hui, il y a une théorie, enfin, il y a une nouvelle lecture de la Première Guerre mondiale qui parle de la théorie du somnambulisme. Hein. C'est-à-dire que l'Allemagne ne serait pas seule à l'initiative de la guerre. Tout le monde était un petit peu d'accord. Et d'ailleurs, Lénine fait un très, très brillant texte dessus pour expliquer que c'était une guerre, la Première Guerre mondiale. La première, c'était une guerre impérialiste avec des puissances qui voulaient s'accaparer des colonies, qui voulaient soumettre les autres peuples de manière à s'industrialiser, de manière à être puissante, etc. Et les alliances, le système d'alliance, ça fait que tout s'est précipité. Et donc la Première Guerre mondiale a eu lieu avec l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc François Ferdinand. Et puis ensuite, les alliances ont joué. La France s'est retrouvée à devoir soutenir la Serbie. Et la Russie, ils encadraient l'Allemagne, et puis l'Allemagne a dû. S'est allié avec Ludwig Hongrie, et puis bon, la guerre a éclaté. Mais je voulais dire quelque chose et rebondir sur ce que disait François, qui était assez intéressant, et puis ça m'a échappé. Mais bon, ça va certainement revenir. Et c'était la raison pour laquelle je voulais réagir au propos de Philippe, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est intéressant parce que c'est de l'histoire que naît la conscience politique de l'homme. Il faut savoir d'où on vient. Et puis, on va voir... c'est tellement enrichissant. Comment est-ce que les métèques de l'Antiquité grecque ont réussi à, quelque part, contribuer à la richesse de l'Empire. Bon, il faut absolument s'intéresser à cette discipline parce que c'est de là qu'on relativise. Hein. Il n'y a pas de... L'essentialisme n'est pas bon. La pureté n'est pas bonne à rechercher, à être recherchée. Hein, alors, et des guerres a fait trop de dégâts. Alors, il y a quand même. Nous sommes confrontés, nous, peuple des Amériques, de manière générale, à une problématique quand même différente des vieux pays de l'Europe. Oui. Comme la France, nous sommes des constructions. Exactement. Nous sommes des constructions de sociétés à partir de la colonisation. Bien. Et nous, à l'intérieur de cet ensemble de l'Amérique latine, de l'Amérique, nous, Martiniquais, Guadeloupéens, qui sommes toujours département français, nous sommes dans un pays jacobin qui a consisté à nier notre existence. Bon, à nier l'existence, d'abord, car on a détruit les peuples premiers, c'est-à-dire les Caraïbes, on a détruit leur vestige. Oui. On les a éradiqués et on a tenté de détruire la culture des peuples qu'on a fait venir. Par exemple, on mettait des Wolofs avec des Bambaras sur une même habitation pour qu'ils ne puissent pas se comprendre. Bon, d'accord. Donc, qu'il y ait un besoin de réappropriation de cette histoire est absolument compréhensible. Et c'est ce qu'a fait la génération que tu as cité, la génération qui nous a précédés. C'est-à-dire, je pense à Armand Nicolas, à Édouard de Lépine, je pense à Jacques Aidé. Il y avait Maurice Nicolas aussi. Etc. Bon. C'est-à-dire que, avec les données auxquelles ils avaient accès, parce qu'en plus, il y avait un problème d'accès aux données. Tout à fait. Bon, oui. Bon. J'ai un ami qui allait passer ses vacances à Aix-en-Provence. Et c'est là que se trouvaient toutes les archives de l'histoire de la Martinique. Si je me vois. Bon. Bien, je ne vais pas trop accaparer le temps pour vous dire que nous avons, nous, un problème. C'est que nous, on a nié notre histoire. L'Allemagne et la France ont besoin d'interprétation, essentialisme, etc., Zemmour et compagnie. Ça, c'est leur problème. Et le nôtre à nous, nous-mêmes. C'est ça qui a un proverbe qui dit, c'est ça qui en fait l'eau qui tarde.
Alors, quand tu as parlé des peuples qui ne pouvaient pas se comprendre, ça m'a fait penser à la tour de Pise. Quand tu Bon, mais alors. C'est pas tout à. Là, on parle C'est comme ça qu'est né le créole. C'est comme ça qu'est né le créole. Un petit mot. Après 45, tous les Français pensaient que tous les Français étaient résistants. Et puis ça a créé le mot résistentialisme. C'est-à-dire que c'était un concept qui voulait expliquer que l'appropriation de la résistance avait été faite par le peuple français. Et quand on regarde en détail, c'est seulement 2,53% de la population française qui était résistante, et puis il y avait 2 à 3% qui étaient collaboratrices. Et pour finir, c'est un chercheur américain qui s'appelle Patton qui est venu et qui a trouvé que c'était Pétain qui avait demandé à Hitler de recevoir à l'entrevue de Montoire. Et que c'est Pétain qui a proposé ses services, les services de l'État français, à Hitler, croyant pouvoir alléger la peine de la France dans l'Europe future allemande. Et c'est là que ça s'est gâté, parce que ça a été le contraire. Hitler a exigé énormément de la France. Donc, quand en 1974, je crois que Patton a écrit ça, quand les Français c'est se sont... un journal, un général américain. Non, c'est Patton, un historien. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est bien ça. Et quand cet historien-là... Ça a été un séisme en France. Hein, quand l'Américain découvre finalement que la collaboration avait été demandée par les Français. Mais on a entendu ça il n'y a pas très longtemps. On parlait même du général de Gaulle. On disait que ce n'était pas sûr que de Gaulle... ça s'est joué à très peu, hein, que de Gaulle soit celui qui est parti en Angleterre, montrer le général de Gaulle comme le sauveur de la France. Et on disait que les trois quarts de Français étaient plutôt pour Vichy. C'est un problème délicat. Hein. Nous avons connu cette époque. Hein. Nous avions quelques semaines. Non, je veux dire par là, je me mets dans cette époque, ok. La guerre est déclarée. Il y a des décisions tout à fait juridiques et parlementaires. Qu'est-ce que tu fais? Je suis juriste. On est légaliste. J'ai tendance à suivre le droit. Donc, dans un premier temps, ça pourrait te faire. Mais dans un deuxième temps, lorsque tu t'aperçois que, effectivement, à ce moment-là, tu entres en résistance, tu t'en vas, ok? Et je trouve que c'est tout à fait normal. On a reproché à certains grands hommes politiques d'avoir, dans un premier temps, fait partie du gouvernement. C'est une chose normale. Mais je voulais juste une petite question. Il n'y a rien à voir. Michel dit que, les colonisateurs ont tué tous les Caraïbes. Non, je ne te contredis pas, mais j'ai vu hier, je ne sais pas sur quelle chaîne, l'intervention d'une historienne, une anthropologue, qui démontre que les Caraïbes sont restés longtemps, notamment à la Martinique, et qu'ils se sont, les femmes se sont mariées à des colons, et qu'il y avait il y avait l'existence des Caraïbes installée dans le système. C'est pas Madame Boulogne ? C'est Madame Boulogne, voilà. C'est très intéressant. Ah oui, mais c'est... Il faut aller voir. Il y a le musée qui se trouve à côté de l'ancienne poste de France. Je ne sais pas s'il est toujours là. Oui. J'ai souvent... Quand je recevais des camarades de communistes français en visite, c'est le premier endroit où je les emmenais. Parce que pour comprendre un petit peu la constitution de la société... De notre société. Oui, tout à fait. Il est remarquable, ce musée. Tout à fait. Donc, tu as raison. Il y a eu quand même une... Ah oui, mais il y a des noms... Un reliquat de Caraïbes qui a persisté, quoi. Mais oui, mais assez nombreux. Hein. Voilà. Elle a fait des recherches extrêmement intéressantes. C'est Paxton. Je précise, je crois que c'est historien, c'est Paxton, c'est pas Patton. Paxton. Il me semble que Patton, c'est... Patton, c'est... Non, la mémoire me fait défaut. Un général, d'ailleurs, qui s'opposait à Yotanoé. Voilà. Alors, vous avez parlé... Un peu concurrent, oui. Vous avez parlé tout à l'heure, là, de la Guadeloupe et de... Alors, est-ce que votre réaction face à l'arrestation de Domouta... Et ça relaxe assez rapide. Parce qu'il a été arrêté vers 16h, je crois. Il y avait un ultimatum pour 18h. Avant 18h, il était relâché. Et qu'est-ce que vous en pensez?
sais pas. Yeah. Moi, j'ai vu les. Vous avez vu les vidéos? Oui. Je sais pas, mais je trouve ça un peu dur. Je vois pas ce pour. Je vois pas les raisons qui ont amené les policiers. À à le brutaliser, à s'asseoir dessus, à le mettre par terre, à lui flanquer une bombe dans la figure. Et je sais pas. Moi, j'ai pas compris. Mais enfin, ils n'ont pas été retenus longtemps en garde à vue. Tout à fait. Parce que la pression était. Vous savez, je fais attention. Faut faire attention aux vidéos. Bien. On nous montre ce qui s'est passé après. Après, c'est vrai. Bon. C'est vrai, Michel. On a montré l'arrestation, Michel. Hein. Ouais. On a montré l'arrestation. Qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est vrai, il a raison. D'après les comptes rendus, certains comptes rendus de presse, notamment Radio Caraïbes, Martinique Première, Le Monde, nous avons fait un petit article sur ce sujet dans Justice. Il y a eu quand même une manifestation qui a débordé. On avait mis des barrières pour l'empêcher, les gens. Et les ils ont franchi ces barrières. Bon. Et c'est à ce moment-là que les policiers sont intervenus pour arrêter les motards. Mais c'est justement cela. Ils avançaient les bras levés. Mais ceci dit, moi j'ai pensé sur le moment que c'était une bêtise. De la part de Lomontant, policiers. De la part des policiers. D'accord. Des autorités. Oui. Parce que, si vous voulez, le mouvement en Guadeloupe, c'est pas mentir, il a suivi un peu la même pente que celle de la Martinique. Le mouvement était plutôt sur la pente descendante. La descendante. Il y avait moins de manifestants. Ah oui. Bon, par conséquent, il y a, en arrêtant Domota, sur un mouvement qui est, comme en Martinique, axé sur le refus de l'obligation vaccinale, c'était redonner au leader du LKP plus de légitimité. Bon, maintenant, il y aura un procès en avril. Bon, attendons de voir ce que la justice va produire. Alors, ouais. Mais ceci dit, puisque tu parles de la Guadeloupe, je ne veux pas quand même oublier qu'il y a un climat de violence, d'injures et d'insultes, de menaces assez extraordinaire, qui a abouti quand même à molester le directeur de l'hôpital de... Côté long. D'après les informations que j'ai par des amis qui sont des anciens directeurs martiniquais des hôpitaux, Côté long, et un cas intéressant, c'est quelqu'un qui est entré dans l'administration hospitalière. Exactement. Au plus bas. Et qui a gravi tous les échelons. Et qui a gravi tous les échelons. Tous les échelons. Et son authenticité. Pierre Zobda. Ah oui, absolument. Mais grâce à sa rigueur. Alors, ça pose la question, est-ce qu'on peut être antillais, martinique et guadeloupéen, exercer une fonction de responsabilité, d'autorité, et par conséquent... En Martinique, tu veux dire. En Martinique, chez soi. Oui, voilà, chez soi. En Martinique ou en Guadeloupe. Mais on a eu le cas de Christian Yossulé, qui était patron de l'AMS. Bon. Est-ce que l'on peut exercer une fonction d'autorité? Est-ce que ça veut dire qu'on trahit le peuple au dehors de la issue? Question, je pose la question. C'est une bonne question. La question parce que je trouve qu'elle est fondée. C'est une bonne question. Je trouve qu'elle est fondée, effectivement. La question peut se poser, oui. Parce que beaucoup de... J'ai entendu ce matin... de précédent, hein. Bon, j'ai entendu ce matin un cadre hospitalier, sur une radio que je ne vais pas nommer, expliquer qu'il y avait beaucoup, grâce au travail qui était fait depuis quelques années quand même, beaucoup de gens, notamment dans l'administration hospitalière, qui ont gravi les échelons de Martiniquais et qui ne demandent pas leur nomination en Martinique. Hein. Bon, La remarque que je voudrais faire, c'est que il y a des partenaires sociaux. On parle d'Élie de Mota, hein, pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est un monsieur qui a le courage de ses idées et puis qui ne va pas cagouler. Alors moi, à partir du moment où on ne va pas cagouler, je trouve que c'est extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, hein, les champions de toute catégorie, de la pleutrerie, de la lâcheté, vont cagouler et puis vont faire les choses la nuit. Je ne supporte pas ça, comme vous avez parlé tout à l'heure, des restaurants qui ont été brûlés. Je n'imagine pas Martin Luther King cagoulé, Rosa Parks cagoulé, enfin bon, toutes les grandes figures. On va à visage découvert quand on est fier. Et bien, Élie de Mota, il a le courage de le faire, il va à visage découvert. Ceci étant dit, il y a les partenaires sociaux, bon, et je pense un petit peu à lui, qui ont des rôles un petit peu plus élargis que le rôle de syndicaliste qu'il prétend défendre. Hein, et... moi, je regrette que ces partenaires sociaux-là, ces interlocuteurs
ne se présente pas au suffrage. Parce que là vraiment, je trouve que ses positions sont parfois même politiques. Et comment sous-peser sa crédibilité? On peut être contre une injustice qui lui a été faite, et puis ne pas être pour les idées qu'il défend. Et là, la réalité, hein, c'est que les policiers l'ont molesté, et je lui apporte mon soutien tout à fait loyal. Par contre, représente-t-il quelque chose légitimement du point de vue des exactions, du point de vue des dérapages, du point de vue des manifestations, du point de vue des dégradations, pas lui, hein, mais en tout cas les mouvements qui se sont enclenchés après les manifestations, enfin après l'organisation des barrages qui ont été faits en Martinique et en Guadeloupe. J'aurais voulu savoir ce que représentent ces personnes du point de vue du poids démocratique. Et c'est ça. Et M. Lurel a parlé, il a eu un discours qui était vraiment intéressant, hein, quand il a opposé les syndicalistes qui effectivement jouaient leur rôle, mais qui souvent prenaient la parole en tant que politique. Alors que lui, il sait combien il a reçu de suffrages, plus de 100 000 et quelques. Il dit, mais voilà la réalité. Puisque tu parles de Lurel, je te signale qu'en 2009, précisément, puisque tu parles de Lurel, le LKP n'a pas été capable de présenter des élections, et que après le mouvement de 2009, jamais Lurel, jamais aucun président de région n'a été élu avec autant de voix. Lurel a été élu au premier tour. C'est-à-dire que l'anti-Domota a été élu au premier tour au suffrage universel de manière spectaculaire. Enfin, moi, c'est pas les avis que j'ai eus en Guadeloupe. Hein. Domota a toujours refusé de se présenter aux élections. Oui, c'est bien ce que je te dis. Il a refusé d'y aller. J'ai entendu pas autre part qu'il y a été plusieurs fois. C'est pas vrai. Il n'a jamais été à une élection. Non, je dis que le mouvement que représente Domota n'a pas été capable de... Parce que il y a eu des tentatives de regrouper, de présenter une alternative politique, d'un prolongement politique en 2009. Mais ils n'étaient pas fâchés en 2009, Domota et l'UN. Ah. Ouais, bon. Ils étaient opposés. Ils étaient opposés, oui. Mais dis-moi, mais c'est pas toi la dernière fois qui a levé la problématique où Christian Ursulet, où il disait qu'en Guadeloupe, il y avait effectivement une confrontation entre le pouvoir politique et le pouvoir syndical. Tout à fait, oui. Il y a là une problématique très forte. Et ce qui me permettrait c'est un vaste débat, de savoir si on peut exercer des fonctions d'autorité dans son pays. Oui. C'est une vraie question, hein, c'est un vrai débat. C'est une vraie question. Moi, j'ai exercé des fonctions qui n'étaient peut-être pas autorité, mais dans un cadre démocratique, et c'est évident, c'est pas facile, c'est pas très facile, puisqu'il y a une réaction, n'est-ce pas, des compatriotes. Et lorsqu'il s'agit, je vais parler de façon symbolique, lorsqu'il s'agit d'exercer des fonctions d'autorité en dehors de ton pays, dans une île voisine, dans le domaine... ça crée parfois des difficultés majeures. Exactement. Alors deux choses. Quand tu dis ça, Philippe, quand tu dis dans ton pays, tu parles pour nous Martinique et en Martinique. Tu as une responsabilité. Tu as des gens autour de toi que tu dois diriger. Mais qu'est-ce qu'on devrait dire des chefs d'État en France là, Macron et compagnie? Je ne sais pas. Moi, je parle du petit pays. Parce qu'en France, ils n'ont peut-être pas la même vision de cette histoire. Je vais rappeler tout à l'heure à propos du débat que nous avions sur l'histoire. La situation coloniale. Nous ne pouvons pas. Il faut absolument comprendre que toutes ces questions-là charrient le passé colonial. Mmh. Le passé colonial, c'est quoi? C'est que l'autorité, le savoir, la science, elle vient de l'extérieur. C'est le blanc. On devrait être content qu'un patriote soit le chef. Mais non! Pour avoir quelquefois ce type de responsabilité, je peux dire, je peux parler. Je ne vais pas parler beaucoup, je dis une seule chose. Donne-nous les noms. Tu es martiniquais, tu exerces la même responsabilité que le chef que tu remplaces. On te demande plus de compétences que lui. Hein. On vérifie tous les jours
si tu es vraiment à ta place. Ok ? Oui. Bon, deuxièmement, on te demande tous les jours de ne pas respecter les règles. Et si tu ne respectes pas les règles, on dit que tu n'es pas un bon Martiniquais, parce que tu aurais dû comprendre. Oui. Tu généralises, Michel. Mais oui, il caricature. Non, Michel, tu caricatures. Tu généralises, tu généralises. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Je veux dire que tu peux... Alors, c'est pas tout le temps comme voilà, ça. Voilà, ça arrive. Ça, ça arrive. Mais pas je tout signale le temps comme ça. Cela. Je signale ça. C'est-à-dire que nous avons, dans ce domaine-là, à nous décoloniser aussi. C'est-à-dire que tu peux avoir de bons chefs blancs, comme tu peux avoir de mauvais chefs blancs, tu peux avoir de bons chefs martiniquais et de mauvais chefs martiniquais. Alors, est-ce que c'est comme au domino, quand tu poses... Il y a dit qu'on doit poser le double blanc, bah, qui ça, le mec blanc. Non, mais où c'est où, chef? Ou c'est en double 6? Si c'est un blanc, c'est en double 6. Et si c'est en nègre, c'est en double 5. Bien. Très bien. Alors, bon, il nous reste quand même pas mal de choses avant. Non, on n'a pas vu la publication de l'INSEE. Montre que les prix ont augmenté de l'alimentation. Les prix ont augmenté de l'alimentation. Les prix de l'alimentation ont augmenté de 0,9 en juillet et novembre. Vous avez une opinion sur ça? Alors, mon point de vue, c'est que depuis 2 ans, je le sais parce que j'ai un très proche qui travaille dans le domaine du transport maritime. Depuis 2 ans, quand on est passé de 3 500 euros de Chine à Martinique à 12 000 euros de Chine à Martinique. C'est ça les prix. Alors je ne sais pas si ça représente 0,9%, mais avec la Covid, il y a une situation d'arrêt du commerce international. Et puis à la reprise, après les 2 mois d'interruption, à la reprise, il y a eu un embouteillage de navires. Et comme les navires perdaient énormément de temps dans les rades ou alors dans la baie, enfin au large des ports, il y a des navires qui restaient jusqu'à 9 jours. Eh bien, il a fallu que les affréteurs paient. Ben oui. Et que cette facture-là a été multipliée par 4. Et depuis 2 ans, le prix des conteneurs n'a pas rebaissé, malgré un redémarrage, une espèce de fluidification. C'est un des éléments. Voilà. Un des éléments, mais je parle sous le contrôle donc, de l'économiste. C'est un mécanisme classique. Hein. La demande est supérieure à l'offre. Ouais. Alors, d'abord... Rapidement, parce qu'on m'a dit que c'est fini. Premier élément technique, l'INSEE, du fait des confinements, n'a pas pu faire les relevés que l'INSEE fait habituellement, à peu près 5 000 relevés chaque mois. Donc, ils ont fait des relevés en juillet et en novembre. Bon. Donc, on a une photographie un peu partielle ouais, de l'évolution de la situation. Mais, de toute façon, ce que nous savons, 2 choses. C'est le coût de l'énergie qui a augmenté et le coût des produits alimentaires, notamment certains produits alimentaires frais. Bon. Ça, c'est vrai. Mais ce qui est inquiétant, c'est que tous les grands pays, à l'heure actuelle, notamment, je pense aux États-Unis, qui avaient une inflation très faible, à 0, 1% tout le temps, enregistrent des inflations de l'ordre de 5, 6%. Or, donc, les économistes dans le monde entier, je termine là-dessus, les économistes, en dehors des facteurs que tu as signalés avec justesse, dans un pays dépendant comme le nôtre, et dépendant de l'importation par voie maritime, bon, tous les économistes se demandent, est-ce qu'on n'est pas en face d'un nouveau phénomène inflationniste dans le monde entier, plus ou moins lié au Covid. OK ? Bon, alors, la question, il y a plusieurs écoles, comme toujours. Bon, mais ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que aux États-Unis, ils sont persuadés que l'inflation va se persister, d'où le fait que le Federal Reserve Board, c'est-à-dire que la Banque centrale américaine, a décidé, au contraire, de resserrer, de moins distribuer de l'argent et de remonter ses taux d'intérêt. Voilà. Pour pouvoir combattre l'inflation.
Oui, moi je me pose une question, on a discuté tout à l'heure, une question. Je ne suis pas économiste, hein, moi je suis nul en la matière, parce que je suis nul. Mais bien sûr. Mais moi, ça, mais maintenant on distribue de l'argent, on anticipe à cause de la maladie Covid, quoi qu'il en coûte. On donne de l'argent. Ce sont des dettes non remboursables ou des dettes éternelles. Donc on fait marcher la planche à billets. Hein, tout à fait. Tout à fait, d'accord. Oui, okay. C'était l'objet d'une discussion. Mais oui, on discutait. Alors, oui. La planche à billets doit bien fonctionner. Il y a de l'argent distribué. J'ai vu que le fisc me donne de l'argent pour le 17 février. Un calcul de je ne sais pas trop quoi. Bon, je vais prendre, bien sûr. Mais je veux dire par là que. Eh bien, bien sûr. Bien sûr. Plus il y a de l'argent, plus les prix montent. Je veux dire par là que. Ah oui, c'est la façon. On ne croit plus, on croit moins. Il y a beaucoup d'argent, donc les prix montent. Et moi, c'est ce qui m'inquiète. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose là de particulièrement inquiétant. Mais c'est une crise économique. Beaucoup de gens craignent un crash. Alors, on a terminé, mais pour ne pas vous avoir fait travailler inutilement, Manuela, non plus, sur la rétro 2021, juste. Chacun à votre tour, la chose qui aurait retenu votre attention. Ben, il y en a tellement, tu sais. Ouais. Moi, vous parlez deux fois, moi, ce qui m'a profondément choqué, moi, je suis un penseur libre, pas dit un libre penseur, je suis un penseur libre, hein, d'origine catholique, mais c'est le rapport sauvé. Lorsque j'ai vu les élèves, ça m'a. Il ne faut pas croire qu'il ne faut pas en tenir compte, ça a un effet majeur, hein. Sur les catholiques, hein, voir que leur image, n'est-ce pas, l'image du sacré, aboutit à ce résultat qui est un résultat catastrophique. Bon, voilà. Il y a tellement d'autres événements, mais j'arrête là. Moi, j'aurais voulu écouter Michel sur Cuba. Il paraît qu'il y a une unification de la monnaie cubaine et qu'il n'y a plus de deux monnaies. Il y a une inflation des coûts qui est multipliée par 5 quand même à Cuba. Mais c'est tout à fait un transitoire. Voilà. Bon. Il y avait deux monnaies. Deux monnaies. C'était le dollar. Je ne sais pas. C'était le dollar américain. Je vais donner tout à l'heure mon point de vue. Mais rapidement. Pour lui répondre, Le nouveau président cubain a décidé de continuer la politique de libéralisation de l'économie cubaine. Diaz-Canel. Bon, qui avait été amorcé par Raúl Castro, de manière très, à mon avis, qui était sorti un petit peu d'une conception un peu rigide qu'avait son frère. Tout à fait. Fidèle. Tout à fait. Bien. Alors, cette conception, ça consiste à progressivement reconnaître qu'il y a deux monnaies, de façon à pouvoir arriver à unifier. Bon. Alors, dans certains pays, on unifie en créant une monnaie nationale, c'est l'objectif. Mais quelque part, souvent, compte tenu de la situation de ces pays-là, notamment le Pérou, l'Équateur, c'est une monnaie nationale qui est en réalité très liée au dollar. Donc la question est de savoir, c'est une transition. Il y a donc un processus inflationniste, hein. Bon, c'est une transition. Est-ce que les Cubains vont arriver mais à mon avis, tu ne peux pas faire ça si tu ne remontes pas l'économie. C'est lié aussi. Est-ce que les Cubains vont arriver à remonter le taux de croissance de l'économie? Et le taux de croissance avec des investissements. Parce qu'ils attendent de cette nouvelle monnaie-là qu'il y ait une lisibilité financière et monétaire pour que les investisseurs viennent. Alors, il y en a déjà. D'ailleurs, c'est le cas. J'ai lu un article qui était dans France Antilles aujourd'hui. Olin Montplaisir, qui est un capitalaste martiniquais, qui est allé se vacciner. Un entrepreneur. En capital. Même. Allez, Michel, Michel, maintenant, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Il faut qu'on finisse là. Qu'est-ce qui a retenu mon attention? C'est l'hécatombe. Il y a plusieurs choses, mais juste. À mon avis, c'est l'hécatombe. Le nombre de morts que nous avons eu entre juillet et octobre. Alors, il y a une étude qui vient de sortir, là aussi ramenée à la population, par rapport à. C'est 10 fois plus que ce que l'on a constaté, 18 fois plus que ce qu'on a constaté en France. Bien. C'est la même chose, et surtout l'impact de cette pandémie sur des petites sociétés comme les nôtres. Mm-hmm. Et je crains qu'on n'ait pas encore mesuré les conséquences. Tout à fait. Donc, de ce qui est en train de se passer sur nos des petits pays, donc de la Caraïbe et singulièrement la Martinique et la Guadeloupe.
conséquences globales. Ça veut dire pas seulement économique, mais aussi... Sociétal. Merci beaucoup à tous les quatre. Alors maintenant, si tu m'autorises, j'ai promis à mes élèves de terminale AGGSP 1 et 3 de leur passer le salut, puisqu'ils vont nous faire l'amitié de regarder l'émission demain. Donc, salutations au terminal AGGSP 1 et 3. Voilà, du lycée de Bellevue. Et puis, il faudrait peut-être que tu emmènes l'un de ces élèves, un de ces jours, voir nos locaux, et puis au début de l'émission. Mais pourquoi pas, oui, voilà. Très belle initiative. Merci pour l'invitation. Mais je t'en prie. Merci à tous les quatre. Merci. Je vous souhaite un excellent week-end, et puis à très vite sur Zouk Télévision. Merci à Manuela pour la réalisation. Merci chez vous pour nous avoir suivis. À bientôt.